Le dispositif saisonnier chez PepsiCo France par CPM, c'est une cinquantaine de routes réparties partout en France. Et le principal objectif, c'est le zéro rupture en magasin. C'est un dispositif qui est tout à fait complémentaire pour nous. L'idée, c'est qu'on ait des missions qui soient vraiment différentes entre des promoteurs saisonniers et des promoteurs structurels. Pour la force de vente structurelle, nous, ce qu'on souhaite, c'est un développement business et un partenariat magasin qui soit fait sur du long terme. À l'inverse, pour le saisonnier, ce qu'on souhaite, c'est avoir des passages magasins qui soient directement impactants pour assurer une lutte anti-rupture la plus efficace possible. Les équipes sont accueillies au siège de CPM par une équipe qui est commune, à la fois la business unit CPM, mais également les équipes de PepsiCo France. L'idée, c'est de leur donner une formation qui soit à la fois théorique, mais surtout pratique. En fait, notre but, c'est que les promoteurs saisonniers se sentent formés et accompagnés pour se sentir tout à fait prêts sur le terrain. Il va y avoir donc une personne de chez PepsiCo qui va travailler en direct avec eux. L'idée, c'est de fonctionner en vrai binôme. Chez PepsiCo France, on vend des produits qui sont saisonniers. Et force de leur succès, parfois, ils sont en rupture. Chez nous, la rupture, c'est une perte potentielle de chiffre d'affaires. L'objectif, c'est d'avoir zéro rupture, de faire en sorte que le consommateur puisse trouver très facilement ses produits préférés.